Sing. Homeless, homeless, moonlight sleeping on a midnight lake. Je vivais à Kabinda et ma mère, elle était prostituée. Elle sort parfois la nuit, elle me laisse avec ma petite soeur. Ma petite soeur, parfois, elle pleure à la nuit. Je la nettoyais, je la faisais comme ça. Elle était partie et à la nuit, on dormait avec ma petite soeur. Il y a des voleurs qui sont venus de notre maison, qui ont volé des trucs. Mais je suis sortie comme ça. J'ai dit, qui peut nous aider, que je peux d'abord dormir à leur maison. Après le matin, on sort, on va chercher notre maman. Il y avait une maman qui avait accepté. Elle nous a mis dans sa maison. Le matin, on sort comme ça. C'est notre maman qui nous appelle. Rosa, Rosa, où es-tu? On sort comme ça. Elle nous a posé la question, pourquoi que vous n'êtes pas dans la maison? Moi, j'ai dit, il y avait des voleurs qui étaient venus ici. Ils ont volé des trucs. Maman ne m'a pas cru. Maman m'a dit qu'on dirait que c'est moi qui ai vendu tous les trucs. Moi, j'ai dit, non, maman, ce n'est pas moi qui ai vendu. Ce sont des voleurs qui étaient ici. Ils ont volé des trucs. Un jour, on se réveille. Ma mère, elle voulait sortir dans la maison. Elle avait pétiné, je ne sais pas si c'est quoi. Si c'est le truc de fétiche. Elle avait pétiné ça. Elle a eu une maladie de pied. Maintenant, on l'avait emmenée à l'hôpital. Là, maintenant, je ne savais pas quoi faire. Comme notre maman, elle était à l'hôpital. Ma petite sœur aussi, elle était vraiment très affamée. On n'avait même pas de l'argent aussi. J'étais obligée d'aller voler, je ne sais pas, à la maison de notre collègue. J'avais volé 5 000 pour acheter ma petite soeur des trucs à manger. Et on me demande, moi j'avais dit que ce n'est pas moi qui avais volé. On m'avait tellement tapé. Maintenant, je continuais seulement à voler. Maintenant, comme je continuais à voler, après, ma mère là-bas, on me dit que ta mère est morte. On est parti à l'hôpital, j'ai vu ma mère. Quand ma mère elle était morte, on voit comme ça ma mère, elle se réveille. Oh, elle m'a dit, oh ma fille, j'ai besoin de te demander des pardons. Je sais que j'ai fait du mal, j'ai prostitué contre les hommes, j'ai sorti avec beaucoup des hommes. Pardonne-moi, parce que je ne t'avais pas dit qui est ton père. Et moi aussi, je ne connais pas ton père. Moi, je dis, maman, ça ne fait rien. Tu es toujours ma maman, même si tu ne connais pas mon père. Elle m'a dit encore que je protège bien ma petite sœur. Après, elle vient de mourir. On sort comme ça. On a fait la veillée. On est parti l'enterrer. Après, le père de ma petite sœur, comme nous ne sommes pas le même père, le père de ma petite sœur, il travaillait à l'hôpital qui était presque à notre maison. Il est venu prendre sa fille, il a dit, donne-moi ma fille, toi tu restes. Toi va chercher là où ton père vit. Moi j'ai dit, ma mère m'a dit de rester avec ma petite soeur. Comment que tu vas prendre ma petite soeur et tu me laisses? Donc tu nous prends nous deux. Oh non, je ne te prends pas. Je l'ai laissé de partir avec ma petite soeur. J'avais donné un truc à ma petite soeur qu'elle se souvient toujours de moi. Il l'avait laissé, elle était partie. Parfois je pleure, parfois je me sens mal de le cœur parce que je vois ma copine avec sa maman et avec ses petites sœurs auprès d'elle. Mais moi là où je suis, je n'ai pas de petites sœurs auprès de moi. Ma mère n'est pas auprès de moi. Parfois je me sens seule. Comme lorsque je pense encore à ma petite sœur, je ne sais pas le jour que je sortirai d'ici, si elle va me reconnaître, je ne sais pas. C'est ce qui me fait mal. Je pense parfois à ma petite sœur que j'ai laissée à Kabinda. Et là, je l'avais fait grandir jusqu'à 5 ans.
Moi-même, je vendais de l'or. Et chaque fois qu'on me posait cette question, je pleurais. Lorsque je suis ici, si j'ai oublié un peu ce que j'ai passé avant, c'est ce qui me fait heureuse, je ris avec tout le monde. On s'amuse, on se dialogue avec les gens. Enfin, l'école aussi, c'est ce qui me fait heureuse, d'être heureuse pendant tous les jours. Je pars à l'école, je reviens très heureuse. À l'école, je suis toujours aussi admise. Un jour, comme je suis venue entendre la parole de Dieu, on m'a dit que il faut pas t'occuper, comme tu vois, des gens qui ont des mères. Tu as aussi une famille qui est le Dieu. Tu n'es pas seul, tu es avec quelqu'un. Mais moi, je la fais en Dieu parce qu'il est crucifié par la croix à cause de mes péchés. Ils sont sortis pour racheter tous mes péchés que j'ai péchés contre les gens. Donc c'est pour ça que j'ai la foi en Dieu.